Au départ, on est devant de l'eau. Cela paraît bien banal. Et quand on découvre que cette eau a des propriétés thérapeutiques et qu'on essaie d'aller plus loin dans la compréhension du mécanisme qui donne ces propriétés, eh bien, c'est un véritable jeu de pistes, c'est une recherche passionnante qui va faire appel à des techniques de plus en plus sophistiquées. C'est un chemin passionnant. Aven, a peaceful village, nestled in the Seven Mountains in the south of France. A village with rich, preserved natural surroundings. The hills overlook the Languedoc, with the deep Mediterranean nearby. Nature is in safe hands here. We are deep in the Haut Languedoc Natural Park. There's a unique spring here, a spring that cares for skin. This spring is known all over the world for its range of skincare products. And it cares for the needs of the most sensitive skin. But what is the secret behind Avon Thermal Spring Water? We search high and low in quest of this secret. We return to where it all began. The answers lay in the skies above and in the earth below. We followed years and years of clues and observed nature to analyze and understand the water's journey. Now, after this wonderful exploration, the Avon water finally reveals a part of its mystery, its origin. Il est très important pour les chercheurs de connaître la genèse de l'eau thermale, de connaître exactement le mécanisme par lequel elle s'élabore, comment elle pénètre dans le sous-sol, comment elle se minéralise. Et tous ces éléments, nous allons les intégrer à la fois pour une connaissance scientifique, mais aussi dans une démarche de protection, puisque le milieu naturel est un milieu qui peut être fragile et nous devons veiller à ce que cette eau soit préservée au maximum. Cette eau est étudiée depuis très longtemps, elle a été découverte en 1736. Donc depuis 1736, on a de nombreux manuscrits qui nous montrent que cette eau a été étudiée, notamment par des médecins, des dermatologues, qui ont essayé de comprendre d'où provenait l'activité de l'eau thermale. Ce qui est intéressant à Avon, c'est qu'il y a une énorme quantité de données accumulées, de mesures de température, de mesures de la qualité chimique qui ont été accumulées sur des dizaines et des dizaines d'années et qui sont disponibles. Donc on a une quantité d'informations tout à fait considérable sur cette source, beaucoup plus que ce que l'on trouve en général sur les eaux thermales ou minérales en France. Le professeur de Marcilly est un professeur émérite. C'est un scientifique de premier plan hein, qui est reconnu pour ses travaux scientifiques, notamment sur tous les enjeux liés à l'eau. Je crois que la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est la curiosité scientifique. On a une eau qui est active. On veut savoir pourquoi elle est active. Nous sommes un petit peu dans la démarche inverse de celle d'un médicament où l'on part d'une molécule et on va tester son activité ensuite. Là, nous partons dans un cheminement inverse. Donc c'est un décryptage et c'est une enquête pour savoir exactement jusqu'où nous pouvons affiner nos connaissances. À Avon, nous sommes en présence d'eau continentale, des eaux récentes qui viennent de l'évaporation de l'eau sur les mers, c'est-à-dire la mer Méditerranée principalement, et puis un petit peu aussi l'Atlantique, puisque suivant la direction des vents, il peut y avoir des pluies d'origine atlantique qui tombent sur les massifs rocheux autour d'Avon. Cette eau, quand elle s'évapore sur la mer, est une eau pratiquement pure. Mais quand elle retombe en pluie, elle se mélange avec des embruns, c'est-à-dire des toutes petites particules d'eau marine qui, elles, ne sont pas évaporées et qui contiennent donc
des sels minéraux, en principe, principalement du chlorure de sodium, de calcium, du magnésium, etc. Tous les éléments présents dans l'eau de mer. L'impluvium, c'est la zone géographique dans laquelle l'eau de pluie qui tombe et qui s'infiltre finit, après un trajet souterrain un peu compliqué, à aboutir à la source. Dans le cas d'Avène, cet impluvium a une surface que nous estimons entre 20 et 30 km², c'est quand même assez grand. C'est sur une zone assez montagneuse, recouverte de végétation, c'est une forêt naturelle. Et quand on s'intéresse à une source d'eau thermominérale, la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que cette eau de pluie qui s'infiltre peut, au moment où elle arrive sur le sol, être contaminée ? La contamination des eaux de pluie qui tombent sur un impluvium, elle est possible si, sur ce bassin, il y a une activité humaine, agricole, industrielle ou domestique qui pourrait amener des polluants. Or, nous avons la chance, à Avène, d'avoir un impluvium qui appartient intégralement au parc naturel du Haut-Languedoc, qui est entièrement protégé. Donc, il n'y a pas d'activité polluante qui risque de contaminer les eaux. Une fois que l'eau a traversé le sol, qu'elle a dissous le gaz carbonique et qu'elle s'est donc acidifiée, elle arrive dans la roche. Dans le cas d'Avène, cette roche, c'est une dolomie, c'est-à-dire une roche calcaire riche en magnésium, qui est assez fissurée déjà, et d'ailleurs aussi un peu poreuse. L'eau a la capacité, parce qu'elle est acide, de réagir avec le calcaire et de dissoudre les carbonates et les minéraux associés. Dans cette roche, elle va trouver sa minéralité propre et également être en contact avec une microflore spécifique de cette roche. Nous allons retrouver une eau avec une double signature. La signature minérale, cela correspond à une composition constante en minéraux, et la signature biologique, qui est le fruit de cette microflore très spécifique de l'eau thermale d'Avène. Donc c'est une double signature, la signature étant quelque chose qui est propre à un individu. Ici, c'est propre à l'eau thermale, et c'est pour ça que l'on peut dire qu'elle n'existe nulle part ailleurs. Les dolomies dont nous parlons sont des roches stratifiées, c'est-à-dire qu'elles se sont déposées en couches dans la mer, dans un lagon, au cours de leur formation. Mais ensuite, l'histoire géologique est compliquée et la région a été soulevée, c'est-à-dire que ces couches se sont redressées et en fait, dans la descente des eaux de pluie, elles suivent principalement des petits plans de stratification au sein de la formation dolomitique. Et puis quand elles arrivent en bas, à environ 1500 mètres, elles rencontrent un système de failles qui a été engendré par la tectonique et par cette stratification qui permet à un conduit d'avoir pris naissance qui est environ incliné à 70 degrés. Alors la remontée des eaux thermales à Avène peut être expliquée par deux mécanismes qui s'additionnent. Le premier, c'est l'échauffement des eaux. Les eaux en profondeur se sont réchauffées, elles sont donc devenues plus légères et ceci accélère leur remontée vers la surface. Il s'y ajoute à Avène un phénomène de siphon. Dans le sous-sol, les eaux ont une vitesse de migration qui est en général extrêmement lente. L'ordre de grandeur de vitesse de l'eau dans le sol, en profondeur, peut être inférieur au mètre par jour. Alors à Avène, c'est encore une énigme. Ce que l'on imagine, c'est que les eaux qui ont eu le trajet le plus long et qui sont descendues le plus profond ont un âge qui est très certainement supérieur à 50 ans, ça nous pouvons l'affirmer. On pourrait même dire que ça va à plusieurs centaines d'années, ou peut-être même 1000 ans. Alors ces eaux, quand elles remontent dans la branche ascendante du siphon, se mélangent quand même avec des eaux qui sont descendues moins profond et qui sont donc plus récentes. Donc à l'arrivée dans la source, on a un mélange de cette eau profonde et de cette eau plus superficielle, plus froide, puisqu'on a 27 degrés au griffon de la source, alors qu'en profondeur, l'eau était à 65 environ. Ce qui est remarquable à Avène, c'est que le pourcentage de mélange des deux eaux ne bouge pas. Au cours du temps, on a en permanence le même pourcentage des deux eaux qui arrivent à la source et qui constituent à la source la composition chimique très particulière des eaux d'Avène. After a long journey underground, the Avène water finally arrives here.
It is collected pure and intact at a depth of 160 meters and provide therapeutic, soothing, anti-irritating and anti-inflammatory action. Aventherma spring water has a unique, unchanging composition. It is a precious resource. Because of this, it deserves to be recognized as natural wealth that must be preserved for future generations.